Bonjour, je m'appelle Ludo van Nieuwenburg et je travaille en tant qu'expert en bande dessinée pour Huberti Brain Expertise, donc avec Alain Huberti et Marc Brain. J'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons une seconde vente Racam. Donc Racam, le magasin parisien bien connu qui a fermé il y a environ 2 ans. Son propriétaire, Maurice Forest, qui était une connaissance à moi, voire quasiment un ami, puisque nous échangeions des bandes dessinées depuis quelques dizaines d'années, m'a proposé de mettre en vente ses plus belles pièces. J'ai eu le privilège de pouvoir faire une première vente en décembre 2017 avec donc Alain Huberti et Marc Brain. Et suite au succès de la vente, nous avons quand même eu quelques records, notamment pour des albums de Blake et Mortimer. Il a décidé de nous confier la suite de sa collection. Et donc nous avons quand même quelques albums très haut de gamme. Notamment un Oncle Paul cartonné, qui est le plus rare de la série, dans un état tout à fait exceptionnel, pratiquement neuf. Il nous a confié aussi un Lucky Luke numéro 1, donc bande dessinée parue en 1950 et extrêmement rare, et quelques raretés, genre des albums dédicacés par Franquin, avec quelques dédicaces tout à fait exceptionnelles. Pour compléter cette vente, étant donné le succès de la première, j'ai été contacté par plusieurs collectionneurs qui désiraient mettre aussi quelques pièces totalement exceptionnelles. Et donc, 5 ou 6 déposants de divers horizons ont décidé de nous confier, notamment quelques Tintins totalement exceptionnels, un Secret de la Licorne B1 papier épais, strictement neuf, il n'y a pas d'autre mot. Un Spirou et Fantasio, donc petite bande dessinée de Franquin parue en 1948, elle aussi dans un état proche du neuf, voire mieux, quasiment un fac-similé. Et puis une dédicace notamment de Franquin à Greg, son ancien scénariste sur Modeste et Pompon. Voilà, c'est une vente tout à fait exceptionnelle. Il y a des petites pièces à 100 euros et d'autres qui vont faire quelques milliers d'euros pour que tout le monde puisse s'y retrouver. La ligne rouge, le fil conducteur de la vente, c'est la qualité exceptionnelle des albums et des dédicaces qui sont proposés. Voilà. Donc je vous invite aux expositions à Paris ou à Bruxelles et surtout à la vente qui aura lieu le 19 mai dans une galerie bien connue, place du Châtelain 33 à 1050 Bruxelles. Voilà. À bientôt, j'espère.